Allez, c'est parti! Hola YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où j'ai mis mon petit micro, j'ai mis mon petit Blue Yeti rose. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de tourner avec le micro. Donc j'espère que ça va faire une bonne qualité. Sinon, bah tant pis, on prendra comme d'habitude le son de la vidéo, enfin de la caméra. Bref, je voulais essayer de vous tourner quelque chose avec une meilleure qualité parce que j'ai du bon matériel, donc pourquoi ne pas l'utiliser tout simplement. Comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un problème de lecteur que m'a posé ce livre. Voilà, il s'agit de Dans la forêt de Jean Aigland aux éditions Gail Meister en format poche. C'est un livre absolument magnifique, j'adore ces éditions. Voilà, c'est un petit livre de 300 pages, voilà, donc c'est un livre relativement moyen en termes de taille, on va dire, ni trop petit, ni trop épais. Et c'est un livre qui m'a causé un problème de lecteur. Oui, 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 un vrai problème de lecteur. En fait, j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup cette histoire. Ça raconte l'histoire de deux jeunes filles qui vivent en fait dans une maison au cœur de la forêt, assez isolée par rapport à la ville. Et il se trouve qu'il y a une espèce de gros problème, voilà, on ne sait pas vraiment si c'est relativement local dans sa région ou si c'est national, international, mondial. On suppose que c'est relativement général quand même. Et en fait, il se met à y avoir des pannes d'électricité et puis ben, des pénuries d'essence et des problèmes de maladie, etc., etc. Je ne vous spoil rien, genre en vous disant ça. Et en fait, l'histoire de ce livre est construite sur le principe que... en fait, c'est assez, comment dire, descriptif, c'est très intérieur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, on va voir et suivre beaucoup les souvenirs de ces deux jeunes filles pour comprendre un petit peu bah, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font là, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce monde qui est le nôtre, hein, mais qui laisse en lettres parce que du coup c'est très, on dirait presque l'apocalypse quoi, la fin du monde qui arrive, qui est en train d'arriver, ou qui est déjà arrivée sans vraiment qu'elle le sache. Et c'était très, je l'ai pas fini, hein, j'en suis à presque la moitié, on va dire un peu plus d'un tiers. Voilà, j'ai lu ça, cette partie. Et en fait, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je reconnais que c'est un très bon livre. Il est bien écrit. C'est un très bon livre, en fait, de son genre. Je le conseille vraiment. Moi, je l'ai lu sur recommandation de... Je crois que c'est Margot Liseuse qui l'a lu et avec qui je l'ai noté, mais je crois que je l'ai vu plusieurs fois recommandé. En même temps, si Margot Liseuse le recommande, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'achètent, voilà, sur ses conseils. Et en fait, vraiment, genre objectivement parlant, c'est un très bon livre. C'est un livre que j'aime bien, mais c'est un livre qui n'est pas assez palpitant pour moi. J'ai besoin de plus d'action, j'ai besoin de quelque chose de plus positif aussi, je dois dire. Alors c'est pas du tout raconté sous un point de vue négatif, c'est pas ça, c'est juste que je trouve en fait que ce livre est assez anxiogène et attention, je mets des grosses guillemets à ce mot là. C'est voilà, on parle de maladie, on parle de la mort, on parle de beaucoup de choses qui sont assez lourdes et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à lire maintenant. Je préfère me concentrer sur des choses plus légères, plus positives.
Contrairement à avant où j'avais tendance à lire beaucoup de livres, pas de ce genre-là, justement, pas trop du... Ça fait un peu nature writing, mais... Parce qu'elles sont dans la forêt et tout, donc ouais, ça fait beaucoup penser au nature writing et j'aimais bien lire des livres comme ça et j'adore les éditions Gail Meister et j'adore Margot Lysieuse, donc voilà, j'aime beaucoup suivre ses recommandations. Mais en fait, voilà, là on parle de survivre et je crois que j'ai juste pas besoin de ça en fait en ce moment. Et pourquoi cette vidéo? Parce que en fait ce livre me cause un vrai problème. Et du coup je vais me permettre en fait de voilà, vous poser un peu la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le continue? Est-ce que je le mets en pause pour plus tard peut-être le reprendre un jour? Ou est-ce que tout simplement, à votre avis, la bonne solution ce serait de tout simplement l'arrêter? Et oui, peut-être si un jour l'envie me reprend de le relire, mais de ne pas forcément voilà, le garder pour l'instant dans ma bibliothèque, etc. et de le transmettre à quelqu'un qui l'appréciera beaucoup plus que moi parce que c'est un livre qui mérite d'être apprécié, vraiment. Je souligne vraiment ça, c'est super important pour moi. Et c'est vraiment, c'est bien écrit et tout, je sens que c'est un bon livre, mais j'arrive pas à avancer dedans, c'est pas palpitant, c'est pas, je crois que c'est juste pas dans mon mood, c'est plus dans mon mood en fait ce genre de livre. Et je me dis c'est dommage, peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait cette période de pratiquement 2 ans où j'ai beaucoup moins lu des romans en tout cas, parce que j'ai lu beaucoup de graphiques, mais des romans en tout cas j'en ai beaucoup moins lu, c'était plus compliqué en termes de concentration, voilà, à la suite du décès de mon papa, etc. Mais ça c'est relative, enfin c'est très normal en fait, c'est voilà, je sais de d'où ça vient, je sais de le pourquoi du comment, mais en fait j'ai beaucoup changé avec tous les événements voilà qui se sont passés dans ma vie. Et est-ce que peut-être que quand je me suis remise à lire, je me suis un peu trop emballée et que j'ai acheté des livres au final qui étaient censés me plaire, et peut-être que mes goûts de lecture ont tout simplement évolué. Je vous filme cette vidéo, c'est absolument pas préparé, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques jours parce que vraiment, ça me pose un souci en fait, je n'ai pas envie d'avoir un avis négatif sur ce livre et j'ai peur en fait de continuer cette lecture, de me forcer, entre grosses guillemets, me forcer, on s'entend, on est en train de parler de livres, on remet les choses dans leur contexte, hein, c'est un livre, ok, j'ai beau adorer les livres et ça a beau faire partie de moi, genre, et de mon amour pour les livres est immense, mais ça reste un livre, voilà, on replace quand même les choses dans leur contexte, ce n'est pas un livre qui est pas bon du tout, au contraire, c'est un très bon livre et c'est pour ça que c'est si frustrant en fait de me dire que je vais l'arrêter, mais je crois que c'est la bonne solution pour peut-être me laisser la chance un jour en fait, voilà, genre ne pas me dégoûter tout de suite, pour me laisser un jour la chance de le lire, peut-être, voilà. Je suis désolée parce que ça peut paraître hyper futile en fait pour beaucoup de gens, peut-être beaucoup d'entre vous, mais pour moi en fait j'estime qu'un auteur, une autrice, un illustrateur, illustratrice, un artiste ou une artiste en général met beaucoup de soi, beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts, beaucoup de sa créativité, beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup de soi dans la réalisation d'une œuvre. Et j'estime que il est quand même de notre devoir en tant que lecteur, spectateur, etc. de respecter en fait l'œuvre, voilà, et la personne derrière qui a mis de son travail, de son temps, de son énergie pour la créer, voilà. Et en fait j'ai beaucoup de respect du coup pour ça, et d'autant plus que vraiment c'est quelque chose de très qualitatif, j'en ai vraiment conscience. Quand je lis, je suis contente, mais c'est pas genre assez palpitant, ça fait pas palpiter mon petit cœur, voilà. Et
peut-être j'ai peur de regretter en fait de l'arrêter, peut-être que je vais le garder un peu de côté, je sais pas. Après de toute façon je vais attendre vos retours de la vidéo parce que je sais pas, j'ai du mal à me décider en fait, et j'aimerais avoir votre avis en fait sur cette question là. Je sais pas, vous faites comment quand il y a un livre comme ça qui vous titille un petit peu, voilà, que vous avez envie de connaître la fin, mais d'un côté c'est pas vraiment très... Désolée, j'ai un cheveu. C'est pas assez palpitant peut-être. C'est beaucoup plus sérieux que d'habitude dans cette vidéo, vraiment. Voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous sur cette question-là. Parce que ça me titille vraiment depuis 2-3 jours là, je pense que je vais le laisser sur mon petit fauteuil dans le bureau et voir, ou le garder sur mon chevet pour lire quelques pages par-ci par-là, peut-être que ça aussi c'est une bonne solution, lire quelque chose de peut-être un petit peu plus palpitant comme je dis juste avant. Et l'avancer quand même malgré tout, parce que c'est un, même si c'est pas un livre d'action, c'est un livre très dans l'observation, très, je sais pas comment expliquer, comme si le narrateur, qui est pourtant personnage, est beaucoup plus lointain par rapport à tout ce qui se passe. Et en fait, en soi, en fait, il se passe pas grand chose parce qu'elles sont chez elles, et en tout cas, jusque là où j'en suis arrivée. Elle essaye de survivre en fait à ce qui se passe sans vraiment comprendre, et en essayant voilà de faire face comme elles peuvent en fait avec les moyens qu'elles ont, c'est-à-dire pas grand chose. Voilà, peut-être je vais continuer quand même. Vous voyez vraiment qu'au fur et à mesure de la vidéo, genre je dis pas du tout la même chose. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je sais pas. J'ai vraiment... je sais pas. Ce livre me pose un énorme dilemme. C'est assez rare, je dois dire. Souvent, c'est vraiment soit j'aime pas, soit... Soit je me rends compte que ça m'intéresse pas tant que ça. Pardon, désolée. Je disais donc. Soit en fait j'aime pas. Voilà, clairement. Je ne suis pas du tout sensible finalement au livre. Et du coup je l'arrête tout simplement. Je le donne, je le vends. En tout cas je le mets de côté, je le garde pas. Soit je le continue parce que j'aime bien. Mais je suis très rarement dans cet entre-deux, donc voilà, j'ai un peu besoin de savoir, d'avoir votre avis, vos avis, écoutez, je vais attendre. Je vais attendre. Voilà, en attendant, je vais le laisser de côté, et ça se trouve, un jour, ça va me prendre et je vais lire d'une traite, enfin bon. Voilà. Faut dire aussi que cette semaine, j'ai pas eu énormément de temps à consacrer à la lecture. Enfin, si, j'ai eu du temps, mais je sais pas, j'étais fatiguée. J'avais du mal à lire, donc voilà. Bon, voilà, c'est une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Et n'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, genre interagissez dans les commentaires ou venez m'envoyer un message privé ou quoi sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment... c'est une vraie question en fait. Je suis vraiment dans un dilemme de lecteur, de lectrice en l'occurrence. Bref, je vous laisse ici et je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et jusqu'alors, prenez soin de vous et lisez bien.